Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 16 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix d'Aigues-Mortes. Trot attelé, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est vraiment ouvert. Il ressemble à une grosse devinette. Alors, très nombreux sont les possibles casseurs de tickets. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce dimanche. Je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir Mary Nova. Elle le mérite. Soutenez sa chaîne, explosez-moi ses abonnements. C'est gratuit et dans ces moments, on en a vraiment besoin. Et oui, il faut s'entraider, il faut s'aider les uns les autres, les amis. Petit retour sur le Quintet du samedi 14 novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux. Alors, côté niveau yo-yo, total, VIP, mois de novembre, on est à 5 872 € de gain. Depuis le mois d'octobre, 19 080 €, ça fait plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo, total, VIP. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets. C'est dans l'onglet communauté que ça se passe. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Ok, on commence avec le numéro 1, Constantini Magic. Il vient de terminer 5e et il était ferré. Cette fois-ci, il sera déferré des 4 et il va tenter d'améliorer son classement. C'est le premier possible casseur de tickets de ce Quintet repéré. Attention, on écoute, comment il s'appelle? On écoute Ludovic Le Dream. Constantini Magic a très bien travaillé tout au long de l'année et est toujours aussi bien, comme l'atteste d'ailleurs sa dernière réduction kilométrique à La Rochelle, où il était pourtant ferré. Il a peu couru sur cette distance, mais a de la vitesse et il aime bien l'autostart. Il a la chance de partir en première ligne et sera déferré des 4 pieds. Bref, il est capable de se mettre en valeur. Le numéro 2, Caïd de Caponnet. On continue avec les possibles casseurs de tickets. Alors lui, il en a carrément fait sa spécialité. En 12 courses, 10 échecs. Il vient de renouer avec les bonnes performances, mais il aligne rarement deux belles sorties de suite, tout ou rien. On écoute, comment il s'appelle, Sébastien Ernaud. Après un petit souci de santé, Caïd de Caponnet avait besoin de courir et ses deux sorties du mois d'octobre lui étaient nécessaires. Retrouvant sa meilleure corde à Laval, il a renoué avec une bonne performance. Lundi, il est bien placé au gain. Désormais, je pense qu'il s'adapte à toutes les distances. C'est un gentil qui garde son mot à dire, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro en première ligne. C'est un gentil, beaucoup de disqualifications. Hein. Bon. Le numéro 3, Duc de Cristal. Il a remporté ses deux dernières courses, il est dans une forme olympique, il va tenter la passe de 3, énorme oui! On écoute Grégoire Well. Tout s'est bien goupillé à Laval lors de sa plus récente sortie, Duc de Cristal. Duc de Cristal a pu attendre non loin de la tête et a su sprinter pour s'imposer. C'était parfait. Il a bien récupéré de ses efforts. Cette course arrive un peu vite, mais c'est le programme qui veut cela. Il s'adapte. Tango. C'est le chien, désolé. Il ronfle, on dirait. Oh là là, il ronfle fort. Hein. Vous l'avez entendu. Enfin, bref. Alors, il disait donc, pardon. C'était parfait. Il a bien récupéré de ses efforts. Cette course arrive un peu vite, mais c'est le programme qui veut cela. Il s'adapte à tous les parcours tant qu'il y a du rythme. Il ne faut pas le déborder en partant. Il est à même de confirmer. Le numéro 4, Darling Lorraine. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Elle a montré la dernière fois qu'elle manquait de conditions le jour de sa rentrée. Mais des progrès sont attendus cette fois-ci. Elle sera même déférée des 4 pour l'occasion. Et elle aussi, hein, donc c'est une possible casseuse de tickets. Attention à ce numéro 4 aussi. Donc on écoute quand même Romain Dorieux. À Lisieux, Darling Lorraine faisait sa rentrée après avoir décompressé. Éliminée depuis, il est possible qu'elle manque encore d'une course. Cela dit, elle se prépare assez vite. Les 2100 mètres ne vont pas lui déplaire. Elle est bien lotie avec le numéro 4.
Si elle bénéficie d'un parcours limpide et qu'elle ne parvient pas à disputer l'arrivée, alors seule sa condition physique sera à mettre en cause. Oui, ça ne nous arrange pas cette histoire. Le numéro 5, Olay Rolls. Ses trois dernières sorties sont bonnes. Il a hérité d'un excellent numéro et il sera piloté par le talentueux Franck Ouvry. Attention à lui. On écoute Jarmo Niskanen. Dernièrement à Graigne, il y a eu plusieurs faux départs et Olay Rolls a fini par s'élancer au galop avant de revenir prendre la troisième place. Auparavant à Enghien, il s'était bien comporté dans un lot plus relevé. Nous avons attendu cet engagement sur mesure. J'espère que le départ en descendant ne va pas le déranger. Si tout se passe bien, il devrait finir dans les trois premiers. Il est super chaud. Le numéro 6, Diamant de l'art. Il brille comme un diamant, mais bon, surtout, c'est pas vraiment pour sa régularité hein, qu'il brille. Oh là là, il y a du... Ok, désolé, hein. Côté performance, il penche plutôt du côté l'art. Bon, en 12 courses, seulement 2 fois à l'arrivée, mais Franck Nivard va tenter d'exploser un maximum de tickets, encore une possibilité dans ce quintet ouvert. On écoute Benjamin Götz. Diamant de l'art courait pas mal dans les courses à vendre. Aussi, on l'a acquis à réclamer lors de sa dernière sortie. Il est bien engagé et s'élance en première ligne. À la maison, il montre de la vitesse et paraît plutôt pas mal. J'ai la chance d'avoir Franck Nivard. Il est peut-être meilleur sur les tracés de tenue, mais on tente le coup. Le numéro 7, Clara Maza. Disqualifiée le jour de sa rentrée, elle se présente totalement ferrée. Il y a d'autres priorités. On écoute Patrick Terry. Clara Maza n'a qu'une course dans les jambes à les yeux où elle est partie au galop. Elle ne sera pas assez prête pour donner sa pleine mesure. À ce niveau, il faut être au top pour rivaliser. Elle aura des conditions similaires d'ici un mois. J'espère que cette sortie va lui être profitable. Elle va garder ses fers malgré sa situation en première ligne. Cela s'annonce compliqué. Le numéro 8, Dream Gold. Il est archi régulier. Ces derniers temps, il est carrément 100% à l'arrivée. Rien ne s'oppose à ce qu'il continue sur sa belle lancée. On écoute Pierre-Louis de Sonnette. Depuis son arrivée à la maison, Dream Gold aurait pu être invaincu. À Laval, il a échoué de peu pour le succès. Il l'a bien fait à Vincennes le mois dernier, mais a été éliminé depuis. Aussi, pour préparer au mieux ce bel engagement, je l'ai emmené travailler à Paris. Il me paraît prêt et je l'ai défaire les postérieurs. Le parcours des 2100 mètres lui convient bien, il devrait répondre présent. Le numéro 9, Dame d'Enfer. Dame d'Enfer, elle arrive à gratter quelques places par-ci par-là, une fois encore, elle n'a pas beaucoup de marge. Là, il lui faudra donc compter sur un parcours sur mesure pour espérer terminer à l'arrivée. Et son numéro 9 ne lui facilite pas la tâche. On écoute Christophe Petremann. À Laval, Dame d'Enfer a perdu du temps dans le dernier tournant, dans le mauvais wagon. Dommage. Lundi, l'opposition me paraît à sa portée. Elle a besoin d'une course à l'économie, une tactique qui comporte des aléas. Elle a déjà réussi derrière l'autostart. Je ne peux la déférer que des postérieurs et la protéger devant. Malheureusement, elle n'a pas été gâtée par le tirage au sort. Le numéro 10, Ciel d'Azur. Il vient d'être disqualifié, mais cela lui arrive très rarement. Là, il sera déféré des 4 et confié à Eric Raffin. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute Franck Leblanc. Mercredi, Ciel d'Azur rendait la distance sur les 3125 mètres d'Angers. Il a animé l'épreuve jusque dans le dernier tournant où il s'est perdu dans ses allures. Son driver m'a avoué qu'il avait été trop vite. Toutes ses courses précédentes étaient bonnes. Lundi, il n'a que des 7 et 8 ans à affronter. Sa place est dans les 5 premiers. Le numéro 11, Cagnard de Béton. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il reste sur 2 échecs consécutifs et comme d'habitude avec lui, ce sera quitte ou double. On écoute Jean-Luc Bijon. Les dernières sorties de Cagnard de Béton ne lui ont pas fait de mal. De condition, il a l'air très bien. Lundi, avec le 11 derrière l'autostart, il va devoir boucler son parcours en dedans, ce qui lui convient. En revanche, il n'a pas de marge et aura besoin d'une course sur mesure. La distance lui est égale et il sera déféré des postérieurs. Une fois de plus, le parcours fera la différence. Le numéro 12, Diablo de Caponnet. Sa régularité fait plaisir à voir. Il donne toujours son maximum en compétition. Et une fois de plus, il va défendre chèrement ses chances. On écoute Eddy Blancheneau. Diablo de Caponnet est tombé sur un os. Démocrate.
Dernièrement sur la petite piste. Après avoir joué de malchance à plusieurs reprises, j'avais demandé à son pilote d'être plus offensif et il a très bien couru. Les bons engagements s'enchaînent. Il apprécie particulièrement ce parcours et j'ai l'impression qu'il affronte des adversaires à sa portée. Il a encore une très belle carte à jouer. Il est très confiant. Le numéro 13, Goldie Stardust. C'est un crack. Il a remporté ses trois dernières courses. Ce lundi, il s'annonce redoutable. On écoute Michael Nimzik. Goldie Stardust évolue au mieux de sa forme et vient de remporter la Breeders' Crown des juments à Berlin. Elle est toujours aussi bien. On retrouve les mâles et Vincennes. Elle y a déjà brillé il y a 2 ans. Je vais la déférer des antérieurs, chose impossible en Allemagne. Ce sera un plus. Le seul inconvénient est sa position en seconde ligne. Il faudra de la réussite, mais elle sait partir vite. Le numéro 14, Shantako. Ses 5 dernières courses, 5 échecs, totalement ferré, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Patrick Terry. Shantako n'a qu'une course dans les jambes depuis cet été. Il va être encore un peu trop juste au niveau conditions et rythme de course pour être compétitif. Je le laisse ferré. Il n'a pas d'autre engagement à sa disposition en province. Aussi, je le déplace en Vincennes. Il est préférable de le revoir. Bon, ben là, il nous incite clairement à l'écarter. Le numéro 15, Pacific Face. Il est régulier. Il a déjà fait ses preuves dans de très bons lots. Pieds nus pour l'occasion, bien sûr qu'il est incontournable. On écoute Giuseppe Lubrano. Tango. Lubrano. C'est un très bon cheval. Pacific Face s'est déjà placé au niveau groupe 1 en Suède. Pour son premier test à Vincennes, il est en forme, mais c'est la courte distance qui m'inquiète. Il risque d'être pris de vitesse en partant et de se retrouver loin. C'est un sujet qui excelle sur les parcours de longue haleine. Une allure sélective l'avantagerait. Dur à l'effort, il est capable de trotter une douze effraction. Le numéro 16, Cavallino Sacha. Il vient de prouver sa forme. Lui aussi a déjà fait ses preuves dans des lots qui tenaient la route. Il sera piloté par Mathieu Abrivard et malgré son numéro 16, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Christian Boinard. À Laval, Cavallino Sacha aurait pu tout aussi bien gagner. Il a fait une belle année et avec lui, il faut impérativement venir sur les autres. Je suis ravi d'avoir Mathieu Abrivard pour les aptitudes de mon pensionnaire. Il faudra gérer le 16 à l'autostart. J'aurais aussi préféré une distance plus longue. Cependant, il sera déféré des 4 pieds, sa forme est sûre et sur un bout, il sait aller très vite. Le pronostic, ça donne 3, 13, 8, 15, 12, 10, 5, 16 cheval de complément. Là, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.